Salut à tous, Thierry Grazia, Bide, Segundo, IPL, Information, Lenta, France 3, Corse, Via, Stella, Eco, Idi, Idulidio, Ostro, Corsica, Brima. Sabigina, Vine, Dio, Brugge, Super, Rotu, Berson, et davanta Gorte, d'Assise et di Corsica, Zutana, accusa dei racket, Pro, Adomigidio et Forzadura, tra 3 et 24 anni, Brigio, et Ranu, Stadio, Mandadi, Contraeli, a Barola, Diawa, a Ifesa, Nanza, Escision et Dumane. Conferenza su Giale, sto dopo mezz'ora in discani o astiaci di agulettività di Corsica, si tratterà di brezzi di carburanti e anche di obu dei regumpra. Per parlare già, il presidente e il consiglio esecutivo di Corsica, Gilles Simeoni, sarà un nostro invitato da qui a poco. Principiamo dunque questo Corsica prima a giustizia tra 3 e 24 anni Brigio erano stati mandati la settimana scorsa contro 8 prevenuti d'origine romana davanti a Corte d'Assise e d'Ajaccio. Questi sono sempre accusati di racket, prova d'omicidio e forzatura contro due commercianti Bonifazin che nel 2018 toccava a Ifesa di Bia, a Barola, Florence Antomarchi, Marion Fiamma. La bande organisée, c'est une définition précise. Il faut de la préméditation et une organisation structurée. Vous devez y penser. On est ici dans une logique de groupe, pas de bande organisée. Quentin de Quimpe a donné le ton ce matin, jouant de sa voix de basse et de sa grande taille. Et d'un élément qui sera sans doute repris par tous les avocats de la défense, tant la bande organisée aggrave toutes les infractions criminelles. Pour son client à lui, Gabriel Elekes, 13 ans ont été requis, plus l'interdiction définitive du territoire. Le 16 septembre 2018, il était à l'extérieur, un des trois qui, par conférence téléphonique, contrôle ce qui se passe à l'intérieur pendant l'extorsion de fonds et l'agression des deux femmes de la famille Arcadu. L'avocat revient aussi sur des éléments de garde à vue. Une des auditions a été réalisée sans avocat et sans traducteur. Il sera donc difficile de la retenir pour qualifier de mensonge les déclarations suivantes. Faire baisser la peine et faire aussi sauter le verrou du réquisitoire de l'avocat général. Pour Quentin de Quimpe et pour bien d'autres avocats de la défense, celui-ci a fait entrer la xénophobie dans un procès qui n'en était même pas teinté pendant 10 jours de débat. Alla corte ho questa informazione a notte scorsa, verso mezzanotte, un bungalow che appartiene a un albergo è stato completamente distrutto da un fuoco come un d'arregno in Balagna. Nessun ferito e un sicuro sceberò all'origine dell'incendio. Averì dopo dei ritrovi di più precisione in un articolo non tra un nostro sito internet. Prezzi di carburanti o di brutti prima necessità potere comprare e con i pochi di punti che avrebbero essere contrastati questo dopo mezz'ora mentre una conferenza sociale all'iniziativa dell'Assemblea di Corsica questa avrebbe principiato a 2 ore dopo mezz'ora in discani o a stiacci della collettività di Corsica in due noi ritroviamo subito a Pieric Nannini. Pieric, salute, per parlare di tutto questo dei Giacu Gilles Simeoni, il presidente del consiglio esecutivo di Corsica. Ieri è detta conferenza sociale che era nata dopo la storia di Gilles che già nel 2018 si dannerà dunque dopo mezz'ora a 2 ore in Bastiglia. Per parlare delle dette siamo Gilles Simeoni. Gilles Simeoni, salute. Salute. Allora, prima una questione più politica. Elisabeth Borne è stata fatta prima ministra. Gérald Darmanin confermato all'interno di una buona notizia? Penso che è piuttosto una buona. Oh, ciò la sapesse, l'analisi è sempre dello stesso stato di spirito, baladì, a volontà politica. D'abre un projet di negoziato come era stata prevista. Ed ha avuto contatto da voi con la prima ministra o con il ministro dell'interno? Per il momento no, aspetto, penso che ce l'andiamo fuori. Ed è fatto un comunicato la settimana scorsa dicendo che ci aveva una prima riunione non sulle elezioni legislative, ci crede sempre dopo il suo silenzio o no? Beh, spero di sì, perché penso che non ci mica lascia passare troppo tempo, e niente aspetta, non c'era stata veramente una mossa e una speranza da mandare in Corsica di modo generale, o non ci mica lascia passare un mese di giugno e poi dopo può essere ancora l'estate senza avanzare, senza travagliare, dunque penso che il governo avrebbe da un segno forte d'organizzare questa prima riunione il più presto possibile. Allora, se la riunione si tratterà di nuovo sopra mezz'ora una conferenza sociale, posto che è da volontà di mettere tutto il mondo in giro a Udaolino per parlare anche dell'aspetto sociale, ed è previsto di fare annunci di maniera chiara, non tra i carburanti, cresce in una francata di 2 euro, si boghione, che è da lì come proposta? Allora, mica solo non tra i carburanti, non tra i parecchi domini, che sono importantissimi nella vita di tutti i giorni dei corsi, dunque il consiglio esecutivo di sicuro farà proposte, ma al di là di queste proposte, penso che il primo affare importantissimo
turismo e di Mintoa che l'aspetto sociale è qualcosa di fondamentale. Si sa per esempio che all'epoca di Obogesso in Matignon c'era mica stata questa dimensione sociale o di una situazione gravissima a questo livello, fa che abbiamo bisogno di integrare la dimensione sociale in delle discussioni in corso. Cosa saranno queste proposte? Allora, le proposte ne parleremo dopo mezz'ora. La metodologia, come va per fare che per esempio i sindacati e tutti gli attori sociali e economici siano integrati in dei progetti che si adabre. Questi avremo una buona proposizione di proposta a fare, ma ascolteremo di noi ciò che li vogliono e ciò che li aspettano gli attori sociali e economici. E al di là di quella diretta, per esempio a livello di alloggio, a livello di carburante, a livello di vita di tutti i giorni, a livello di prima di trasporti, a livello di ritirati, di baghe, e una proposta a fare, ci vorrà che lo Stato faccia la sua parte di astrale, faccia gli sforzi, la collettività di noi è pronta a farla. È un lavoro che si da inizia oggi. La situazione in corso è infiorata dal punto di vista sociale, chiede da proponere di noi non ha i prezzi, non ha roba, si sa che con l'inflazione cresce assai, dunque chiede da proponere. Abbiamo un esempio preciso, c'è adesso una legge da qui a poco a livello francese detto di pouvoir d'achat. Penso che ciò l'ha a utilizzare un buere d'adattazione legislativa per permette che ci siano misure specifiche per agosto che abbia in conto tutto questo differenziale. Ringraziamo Gilles Simeone di aver risposto alle nostre domande, dunque ci sarà su mezzo nostra conferenza sociale un appuntamento aspettato assai per parlare di tutto ciò che costa, che tratta di avere da gara in Corsica. A ringraziare Tramindo e ringraziamo in noi a Ermino Costa che era da Reda a Gamera. Ci piantiamo a Wananta su cifro, so 7.000 imprese in corso che avevano piato un impresto garantito dallo Stato, un dispositivo d'aiuto per le imprese che potevano imprestare fino a 25% di cifro d'affari, chi ci voleva rimborsare al massimo in 10 anni a bene e dunque in 10 settimane a bene cominceranno i rimborsamenti. Allora come si organizzano i gambe impresa? Reportage de Florence Marc et de Lionel Ujani. Du bruit, une chaîne de production, des bocaux de confiture par milliers. Dans cette fabrique agroalimentaire, les besoins de trésorerie sont importants. Il faut payer les récoltes de fruits un an avant de les vendre en boîte. En avril 2020, avec la crise Covid, l'entreprise a souscrit pour 2 millions de plans garantis par l'État, de quoi maintenir tous les rouages de son activité. On a pu continuer à payer tous nos fournisseurs, etc. Donc ça a permis de garder une situation relativement saine. Ensuite, on a aussi un peu profité pour payer certains investissements et ne pas continuer à emprunter parce que du coup, avec le PGE, etc., ajouté à nos emprunts précédents, on s'est retrouvé avec un taux d'endettement qui dépassait le raisonnable. 8 millions de chiffre d'affaires en 2019, 20% de moins en 2020, retour à la situation pré-Covid en 2021. Ouf! Mais 2022, il faut rembourser. Et il ne reste plus que 4 ans pour le faire. C'est un peu compliqué. On est sur des échéances trop importantes. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de rediscuter avec notre partenaire bancaire, avec la BPI, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut, contracter un autre prêt qui nous permettra de rembourser celui-là, mais du coup de l'étaler sur une période plus longue. Une position pragmatique et conforme à la règle nationale et européenne du PGE. Autre entreprise, autre stratégie. Dans cet hôtel, l'angoisse des semaines et des mois sans touristes est encore palpable. Le chiffre d'affaires n'a pas retrouvé son niveau d'avant Covid. On plaide pour que les règles de sortie du plan garanti par l'État soient modifiées. On a été bloqué pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on a survécu. On n'a donc pas fait de chiffre d'affaires et on ne l'a pas transformé. Et donc, si on ne remet pas tout de suite de l'argent dans la machine, nos établissements vont vieillir, ne vont pas se rénover, ne vont pas être aux nouvelles normes, et donc on ne préparera pas l'avenir. Donc on demande de pouvoir, si on le souhaite, étaler bien sûr, et le transformer en taux, en prêt d'investissement, pardon, pour pouvoir préparer l'avenir. D'autant que même l'avenir le plus proche, la saison qui arrive, apporte son lot de nouveaux facteurs de crise. Ici on peut voir donc le personnel, la masse salariale a à peu près pris 10%, il fait des nouveaux accords dans l'hôtellerie. On a aussi, bien sûr, toute la marchandise qui, entre la guerre en Ukraine et d'autres événements, a pris entre 10 et 20%. Et puis, bien sûr, on voit toute l'énergie qui, elle aussi, a flambé. Les banques que nous avons pu joindre ne ressentent pas, outre mesure et pour l'instant, ces inquiétudes. La Société Générale précise même que 10% de ces entreprises clientes ont déjà remboursé leur PGE. Tout autre est la situation des toutes petites entreprises, mais des procédures particulières leur seront appliquées.
Parlem ara di sport. Dimercuri a ben ariscor segon plesu sportiu Paul Nadal in Borgo a colto i campionati di Francia UNSS di handball eccellenza. L'otto più buone squadre di Ligean e giunte da Avranciasana sono giunte in corsa che per scontrarsi l'occasione in Udi Fabale o handball isolano e o sport scolare. Reportage d'Antonin Blanc e de Daniel Bansard. Pendant trois jours, le handball était roi à Borgo. Dans le cadre des championnats de France UNSS, l'Académie de Corse a organisé le tournoi de handball féminin Excellence. Une première pour cette discipline. Ce qui est important, c'est de montrer justement que le sport scolaire, ça part de la base, de la masse, des petits championnats, mais ça peut aller jusqu'au très haut niveau. Donc le fait d'accueillir des championnats comme ça, ça permet aussi d'avoir une émulation auprès de nos jeunes pour la participation sur ce genre d'événement. Dans ce tournoi, il n'y avait aucune équipe corse car il n'existe pas de section handball insulaire au lycée. L'île comptabilise près de 1500 licenciés en club, dont seulement 35% de féminines. Pour la Ligue corse de handball, ce tournoi est donc l'occasion de mettre un coup de projecteur sur cette discipline. Après cette pandémie qui a quand même mis à mal pas mal de disciplines, pouvoir organiser une telle manifestation sur notre territoire ne peut que permettre justement à notre activité de reprendre. Elle a déjà repris, mais c'est un plus, une vitrine pour le handball corse et une récompense aussi un petit peu pour tous les dirigeants qui œuvrent toute l'année au sein des structures. Sur le parquet, les lycéennes de Rodez et de Pont-à-Mousson, situées en Meurthe-et-Moselle, s'affrontent en finale. Sous les encouragements des autres académies, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais au coup de sifflet final, c'est Pont-à-Mousson qui l'emporte. 19-16. C'est des larmes de joie. Après trois années de galère, Covid, s'entraîner à deux, à trois, à quatre. Là, franchement, c'est que du plaisir de voir qu'on on a rien lâché pendant ces trois années-là. Et au final, ça se concrétise par un titre de championne de France. C'est juste merveilleux, quoi. C'était difficile, on n'a pas été très bonne pendant la première poule. Là, on gagne aujourd'hui, on a tout donné, on est très fiers. Et puis on est championne de France, quoi. Après la réussite de ce tournoi, l'Académie de Corse organisera l'an prochain d'autres championnats de France UNSS, ceux du basket 3-3, une discipline entrée aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Una informazione in furia per dire che manca stasera l'appuntamento odinco intanto per le legislative. Stasera di Pedro Antonio Masi, candidato Corsica Libera, in primo circondo a Cismonte, che risponderà ai domande di Laurent Vincenzini, sarà dunque a 7 ore meno e gendanza o Corsica Zera. Ecco per questo Corsica prima, 7 ore dunque Corsica Zera, con Mariano Romani, noi ci troviamo a 8 ore. Buon appetito e a stasera.